Il est déjà 7h du matin, Jack, je suis déjà réveillé ici. Paris s'éveille. J'enregistre. J'ai mis la suspicion de la souris un peu trop forte. La suspicion. Voilà, salut tout le monde, c'est White. Je suis avec Jack sur TeamSpeak. Bonjour. Et malgré beaucoup de... Comment on appelle ça déjà? Évaluation négative sur Steam, j'ai quand même décidé de prendre Emergency Call 112 de Firefighting Simulator 2. J'arrive à la caserne. Il n'y avait pas plus court comme titre. Non, c'est vrai que ça c'est chiant. Hein. Déjà pour faire les recherches sur Google, faut y aller. Putain, il y a plein de mecs qui m'attendent dans la cour. Dans la basse-cour. On va voir si c'est si buggé que ça nous. Ah. Alors, ouais, c'est en allemand et c'est sous-titré en anglais. Donc, désolé pour les Français. Ja. De toute façon, si c'est trop chiant, je zappe. Ah merde, ils se cassent, vieux. Ils prennent des camions, ils se barrent. Et moi? Je vais où, moi? Putain, ils se cassent tous, vieux. On va aller voir, hein, c'est bien fait. Parce que, apparemment, donc, c'est un mode carrière avec des interventions aléatoires. Ah ouais, ils vont placer les véhicules pour le training dans la cour, c'est ça. Bon, je tiens à vous préciser qu'il y a déjà eu un patch depuis la sortie du jeu qui a eu lieu hier, n'est-ce pas? Et il corrige normalement pas mal de problèmes. Pour l'instant, c'est relativement fluide, j'ai pas encore planté. Pour l'instant, cet épisode de découverte et de gameplay est donc validé. Let's have a look at the vehicle. Ok. Ok, chef. Je vais vous mettre en vue FPS pour que vous voyez bien, les amis. On n'est pas sur de la truc de novice, hein. Regardez-moi ça. En fait, là, ils sont en train de me sortir tous les véhicules, Jack. Tu verras sur l'épisode. Et à mon avis, on va devoir étudier tout le bazar, quoi. Oh putain. Alors, moi, je dois faire quoi? Alors, je commence comme simple petit ambulancier. Enfin, simple petit ambulancier, c'est peut-être un peu péjoratif pour les ambulanciers. Ok. Un, light work. Nothing happens. Light work. Lights are ok. Zo, zo. Enter. Ah, c'est comme. Tu vois, Arma? Ouais. Bah, c'est Arma, mais avec des pompiers, quoi. Excellent. Mais qu'est-ce que je suis supposé faire? Leave the back seat. Ça, c'est compliqué, hein, les mecs. Je peux pas fermer la porte? Ah, ouais, quand même. Même en fermant la porte, le mec, il fait le mouvement et tout. Pas de la plaisanterie, ça. Check the light system. Alright. Je me mets à l'avant. Oh putain. Rear blue light. Ah putain, c'est de la simulation top, top de chez top, vieux. Oh Il y a les boutons de ouf ici, vieux. Je presse sur tout ce qui bouge là. Écoutez ça, j'ai mis les sirènes, les gars. Ah, il y a un autre bouton qui se met. Change sirène. Waouh. Intérieur light à devant. On peut même changer la couleur des lumières de l'ambulance. C'est mieux qu'une Mercedes. On a bien compliqué tout ça. On a parlé d'être un jeu de pompiers, c'est bien une simulation, n'est-ce pas? Regardez les gens. Mes collègues pompiers sont en train de faire mumuse avec la grande échelle. On va pas se mentir, c'est quand même plutôt la classe, hein. Bon, moi je crois que je dois juste aller checker à plusieurs endroits de l'ambulance et dire quand les lumières sont bonnes ou quand elles sont pas bonnes. On va voir ça tout de suite. Et puis après, j'espère qu'on pourra peut-être se préparer pour partir en intervention, sachant qu'il est 7h08, comme vous pouvez le voir dans le coin supérieur droit de l'écran. Et nous sommes le 19 mars 2021, n'est-ce pas? Et dans ce putain de jeu, personne ne porte de masque. Excellent. Alors derrière, ça marche. Oui, je lui dis hein, que les lumières sont bonnes. Je dois venir maintenant sur les côtés. C'est vraiment comme. C'est presque comme un simulateur de vol en fait. Hein. On fait un checking complet. It's ok, it's ok. Voilà, j'ai fini de checker les lights. Ensuite, quelle est ma mission, sergent? Use the door. Close passenger door. No problem. Close. Done. Écoutez ça.
Jean-Jean, t'as pas le combat dans l'œil, hein, fieu. Eh, on rentre l'ambulance, Jack. Et hop, le garage se ferme. Tout ça, ma foi, est très réaliste. Je sens que ça pourrait me plaire. Dites-moi dans les commentaires, likez la vidéo si vous trouvez que c'est kiffant, si vous trouvez que c'est chambé, comme le dit notre rubrique. On va checker ce véhicule-là. J'ai envie de tester l'Opel, là. On peut tester l'Opel, Jean-Jean. Putain, il a un seul caractère. Il se casse, rien à foutre le mec. Prends-moi une coco au chocolat. Ouais, je me remets en enregistrement juste pour vous montrer que j'ai fouillé toute la caserne. Enfin, pas toute, mais... Il y a beaucoup... Ah. Ah, ça c'est les collègues qui disent qu'ils sont en train d'arriver sur les lieux. Donc on a les discussions radio en temps réel. Ça c'est pas mal, hein. Vous voyez ici, on a une ambulance beaucoup plus balèze que je vais bien sûr pouvoir vous montrer. Je peux pas m'empêcher de penser à Matt Zeppel quand je fais un jeu comme ça. Regardez ça. C'est pas la classe. Jack, t'es toujours là? Les gars, j'ai perdu Jack. Ah, je suis là. Ah. J'avais coupé le micro parce que... Il y avait du bruit. Le montage. Ah ouais. Moi, je te laisse. Moi, je ferai mon montage après. Je montre une belle ambulance ici. Putain, c'est balèze, hein. Regardez-moi ça. Ne me demandez pas ce que c'est. À mon avis, c'est un truc pour faire du de la kiné, ça, ou je sais pas. Un tapis de sol. Ah, il y a une... Tu sais, les ambulances, ben, les plus grosses, là. Hein, ouais. Avec carré à rectangulaire à l'arrière, quoi. Ouais. Il y a ça aussi. Il y a plein de véhicules, quand même, hein, putain. Et alors, ce qui est génial, bon, ça aussi j'aurais envie de voir, c'est quoi ça? Ça s'ouvre pas de ce côté-là. Ça, on peut pas l'utiliser. Ça, c'est de la déco, ça. Bienvenue au Training Center. Vous vous dites là, mais White, c'est pas par ça que tu devais commencer? C'est pas faux. Là, il est 11h du mat, il fait beaucoup plus clair. Ça nous permet déjà de voir le jeu sous de meilleurs auspices. Alors, je dois bouger avec ça, ceci, look around, take a look around. Voilà, c'est fait, hein, Francine. J'ai regardé tout autour de moi. En tout cas, on entend les cloches de l'église qui sonnent 11h. Ah! Je dois changer d'équipement. Alors. Achtung, Brandschutz, Kleinflächenbrand, ah. Einsatz für TLF-1. Là, au moins, je pars en intervention, les gars. Ouais, une petite Ariad Fire. Ouais. Donc moi, je dois conduire mes potes à la Fire machin. C'est parti, on grimpe dans le camion, les gars. Hop. Where is the light ici? Activez les blue sirens in the keypad above your head. Ah ouais, c'est là-haut. Surrounding light, comportement light, on s'en fout. Hop, headlight, intérieur light, ça on s'en fout. Rear warning, non. Ah, c'est là. Vous avez vu, je vous l'ai dit, c'était très réaliste. Hein. Ouais, je sais, tais-toi. Et je dois aller où? Attendez, parce qu'il y a quelque chose qui me dit que. Ah! Ouais, le GPS est là. Nom de Dieu. Je sais pas où je dois aller, moi. La flèche, elle met où? On sait pas dézoomer? Non, pas plus. Drive to the scene. Parc de véhicules in the market area. Sauf que là... Et l'autre, il a pas fermé sa porte, tu veux. Ouais, vous vous dites les mecs, c'est n'importe quoi. C'est pas faux. Ah, maintenant que je sors du camion, l'autre il ferme sa porte. Putain. Effectivement, il y a quelques petits problèmes avec ce jeu. Close driver's door. Bah oui. Mais si je la ferme, il va pas rouvrir sa porte, l'autre con. Quand je mets la vue externe, j'ai une map. Ah voilà, là je vois un truc vert, je crois. On va sortir par là. Ah non, on peut pas sortir par là. Il y a une barrière. Mon dieu de merde. Bon, je trouve que la conduite du véhicule est pas dégueulasse. Ok, c'est parti.
Ok, on voit le feu là. Analyse de mission et de tactical overview. Ah merde. Spacebar. Ah ouais, quand même. Putain. Clique sur le TLF pour un auswahlmenu zu öffnen. Wähle unter dem. Dismount quoi? What the fuck, c'est compliqué ce truc. Je sais pas si c'est ce que je devais faire. Apparemment, je crois que j'ai fait une bonne préparation. Il va inspecter, donc, comme j'ai demandé. Hein, j'ai demandé de descendre, d'inspecter. Alors, water, et ouais, donc il dit que l'eau, c'est ce qu'il faut. L'eau, c'est la vie, mon vieux. Tu vas où, là? As you have probably already seen... Ah voilà, il se cause. Ça c'est notre chef qui nous dit qu'on va, il est sûr qu'on va trouver. Tout à fait. Désolé pour la vue. Push engine boom. Adjust lighting system. Bon, la lighting system, là, franchement, on s'en fout. Il y a un feu, j'ai autre chose à foutre que de jouer avec les loupiottes, là. J'espère que l'autre va faire quelque chose. Donc là, il est ouvert le bazar. Ah, ouais. Il ouvre tout. Bon, il faut voir ce qu'il fait, hein. Si on arrive à éteindre ça, je serais déjà content. Hein. Quand même terrible, tout ça. Bon, j'ai pas allumé toutes les lights, mais c'est pas grave. Ah... Ah, avec tab je peux changer de rôle. Alors voyons voir, qu'est-ce qu'il a pris là? Ah ouais, donc il fallait bien ouvrir une de ces putains de bouches. J'avais juste pas trouvé le bon outil, regardez. Clac, et puis après ça, on doit mettre le bazar qui est là. Ça. J'espère que je vais pas foutre tout en l'air. Non, j'ai pas envie de changer de rôle là. Connect. Vous voyez que je suis pas si nul, j'avais compris là tout à l'heure. Quand même. Qu'est-ce qu'elle me veut celle-là? Ouais, je crois que j'ai un problème avec. Push, jump, bunge. C'est quoi ça? Ça? Ah ouais. Fallait cliquer là-dessus. C'est le mode déploiement. Ouais, là pour l'instant ça va, c'est indiqué au moins. Regardez, on a un tuyau. Ouais, voilà, et donc avec ça il va connecter pour que la flotte passe par là jusqu'à là. Et maintenant, j'ai pas lu ce qu'il avait dit. Il va certainement Ah ouais, regardez, je peux switcher. Close driver door. Qu'est-ce que ça peut te faire qu'elle est ouverte la porte, putain? T'as peur que quelqu'un pique le camion ou quoi? Open the Unix section with menu tab. Switch to squad leader. Voilà. Ah. Organisation, opération. Firefighting. Ça j'ai déjà fait, non? Extinguishing attack. Ouais, hein, rapide. Regardez-moi ça, les gars.
Tout ça pour 3 palettes en feu. Hein. Mais bon, je vous rappelle que là, on est sur du test. Hein. Enfin, du l'entraînement. Hop, regardez. Ah, la classe. Qu'est-ce que tu fous, Jean-Jean? Là, je dois aller choper ça. Voilà. Et avec le masque en vue interne. Je pense que le feu est éteint. Plutôt plaisant ce petit jeu de pompier là. J'en profite pour vous rappeler qu'en commentaire, vous me direz ce que vous en pensez. Si vous voulez une petite série de temps en temps avec quelques missions. J'accepte volontiers de me mettre dans la peau d'un pompier ambulancier. The fire is out. Roger. Ça s'enroule. Give the command extinguishing water inlet via tactical overview. Si tu veux, mais je l'ai déjà fait. Hein. Voilà, t'es contente? A mon avis, j'ai pas fait ça de la façon dont elle voulait. Mais très honnêtement, moi je suis déjà bien content d'avoir éteint ce putain de feu. On peut même utiliser l'échelle. Waouh, la classe quoi. Regardez ça. Épisode gameplay découverte, hein, je montre. Hein. Ah ouais, je pouvais même utiliser ce bazar, les gars. C'est vraiment le arma. Donc, armée d'assaut, hein, pour ceux qui connaissent pas. Mais en pompier, quoi. Ouais, l'épisode est un peu spécial, j'avoue. Mais moi, je trouve quand même que... Equipment necessary for a supply of breathing air. I know. Je suis au courant. Hop. Close. Ouais, je commence un peu à m'y faire. Hein. Bon, vous voyez dans le tuto, là, il me dit que je dois faire une commande spéciale extinguishing machin, là. Mais honnêtement, je m'en bats les steaks. En fait, je vais quand même essayer de trouver le truc pour pouvoir retourner jusqu'à la caserne. Je m'épose en attendant. Bon, il s'avère que j'avais clairement... j'ai éteint le feu, en fait, à ma manière. Mais il fallait que je suive le tuto, normalement. Bon, bah, c'est pas grave, les gars. Je vais faire ça, ça n'a plus vraiment de sens. Mais comme ça, au moins, on termine la mission, si j'y arrive. Non, vous ne rêvez pas. J'ai refait tout le tuto, et regardez-moi ce bordel, ici. Fallait bien faire les choses dans l'ordre, non? Nom de Dieu. Voilà. On a du jazzy. Search for Ember Pocket. C'est quoi ça? On va le voir tout de suite. Ouais, en fait, il faut vraiment bien suivre les instructions. Regardez, mon collègue va faire quelque chose là. Alors que je vais lâcher ça par terre. Ah, et les pompiers en herbe, voire les pompiers de profession pourront peut-être me dire à quoi ça sert ça. Ember Pocket, ouais, je sais pas ce que c'est, mais ça apparaît apparemment pour chercher quelque chose. Ah, il dit que c'est trop chaud, ouais, donc c'est un truc qui mesure la température. Tiens, prends un peu ma fièvre. Donc, pick up pitchfork. Tueux, c'est vachement poussé et réaliste. Hein. C'est quoi pitchfork? Elle est où la pitchfork? C'est ça? Non. Il doit être quelque part, mais je sais pas où. Hein. Ah, c'est là-haut.
Ah ouais, elle est au-dessus. Par contre, la tête part un peu en couille quand on est en vue machin là, mais. Bloquez-moi ça, les gars. Attends, fous la vue externe parce que là, c'est l'horreur. Je vais effectivement devoir prendre une fourche, vous n'avez pas rêvé. Au moins, on aura vu la fin de l'intervention. Et je vais aller casser les palettes. Et peut-être que le feu va reprendre, hein. Qui sait? Use. Bon, l'animation, c'est vite fait, hein. Regardez, ça fume. C'est tout? Search for Ember Pocket. Encore? Vous savez quoi? Je vais le faire moi-même. Tac. Tac. Alors. On voit bien que c'est encore chaud là, regardez. 600 degrés à l'intérieur, ça commence à cramer de nouveau. Mais je suis persuadé que j'aurais pu casser encore plus avec la fourche, mais. On n'a pas l'air d'avoir envie, ce couillon. Compliqué ce jeu. Ah. Voilà les mecs. Apparemment j'ai bien éteint le bazar. Pack up et départ. On prend les commandes, pack up et départ. C'est dans quoi ça? C'est pas là-dedans, je suppose. Voilà. Pack up. Donc là, on replie bagage. Non, vous ne rêvez pas. On va replier tout ça. Ah, mon pote a déjà enlevé ça, c'est bien. Je peux ranger ça. Je vais ranger ce que je connais, hein, ce que je sais. Ça, ça se met là-dedans. Je vais enlever ma bonbonne d'oxygène et mon masque. Je trouve que je me débrouille pas si mal, en fait, hein. Vous me direz ce que vous en pensez. Regardez ça. On remballe tout, on plie bagage. Ça, tu l'as pris où? Alors ça, je sais pas du tout où il a été le prendre, lui. Tu le rangeras toi, mon vieux. Ouais, la fourche. La fourche, c'est moi qui l'ai ramassée, donc je sais où je l'ai prise. Aucune idée de comment on replie ça. À mon avis, ça doit être une option comme pour le déplier. Ah non, ça je vais te laisser faire, Jackie, parce que je sais pas du tout comment on fait. Ah là, il faut retourner ici et faire furl. J'allais faire full et là je fais furl. Ya. Regardez ça comment on range tout. Ah, finalement, on s'en sort en moins de 5 minutes hein, pour tout ranger. C'est réaliste quoi, c'est pas ces jeux où on déploie vite un tuyau, on éteint le feu, on remet le tuyau, on se casse. Non, ici il y a vraiment du matos. Bon, quand c'est pour s'entraîner en éteignant une palette, comme je disais, ça fait un peu con quoi. On déploie des gros moyens pour une petite palette. Ouais, ferme les autres, hein, je m'occupe de celle-là. Hein. Bouffon. Eh, j'y serais pas arrivé les gars. Ouais, j'y suis arrivé. C'est la classe. Pompier un jour. Pompier toujours. Apparemment il me laisse là. Pas de problème, je m'en charge. Monte à bord, on retourne à la caserne. Donc là on a paqué. Maintenant je prends ça. Ça passe ça. Dans cette place machin. Départ. Il monte. Ah non merde. Attendez. Je reprends le lead mon vieux. J'ai réussi à bugger le bazar. Non, c'est bon. Ah, je peux plus prendre le lead. Si, voilà. Merci. J'ai pas trop envie qu'il foute en l'air ma fin de tuto, l'autre, là. Ah, il y a des trous, ici, hein.
Allez, en route, Simone. On repart. Attention à la voiture. Sergent instructeur, merci pour l'aide. À plus tard. Oui, on est en mode réaliste. Clignoteur droite, là, c'est où, ça? Bien joué, Étienne. À la tienne, Étienne. Move in. Drive to fire station. Ouais, pour les besoins de cette vidéo, je vais griller un feu. Après tout, on est pompiers, merde. Alors, je dis pas de conneries, mon camion il allait là. Mais bien sûr, on va se la jouer réaliste. Ah non, il va là. On voit la petite marque jaune. Doucement, doucement. Personne va nous ouvrir. Putain. Normalement, c'est supposé s'ouvrir, j'imagine, mais bon. On va dire que ils ont pas envie de nous faire plaisir. Donc, je vais m'en charger tout seul. Ouais, ils pensaient peut-être que j'allais rentrer dans le bazar en manœuvrant en marche arrière et tout le bazar. Nénif, moi je me la joue réaliste à fond. Je passe par derrière. Je peux un peu approcher la vue, regardez comme c'est beau. C'est beau ou c'est pas beau, ça? Allez, casse pas les couilles. Voilà. Tu sais, je dois aller mettre mon... Je dois aller écrire mon incident report. On n'a pas encore fini cette découverte, les gars. À mon avis, j'aurais dû zapper beaucoup de la première partie de mon bazar. On se remet en fringue normale. Voilà. Go to the office. Ça, c'est plutôt le côté où on descend, je crois. Voilà, je viens de faire environ 3 fois le tour de cette putain de caserne qui est aussi grande qu'un stade de foot. Et j'ai enfin retrouvé la seule et unique fucking pièce qui est ouverte et qui est le bureau. Et en fait, c'est juste à côté, hein, mais j'étais pas sur le bon palier. Donc, on a un PC, use the computer, et on fait un rapport. Ah putain, c'est quand même vachement poussé aussi, ça. Opération site Zeppelinstrabe, tutorial, nanana, Arson. Ça veut dire quoi, Arson? I don't know. J'ai pas utilisé d'extincteur, nanana. Please fill in. Ah, je peux mettre situation file. File, found. Alors, 3 palettes grillées sur place. Point. Ah, y a pas de point, je joue en QWERTY, hein, désolé. En allemand, c'est kaputt. Ah, si, y a un point. Voilà, kaputt. J'ai mis 3 palettes grillées sur place. Jean-Jean... Et moi, merde, c'est pas le bon clavier. Et moi, on a éteint les flammes. Putain, QWERTY de merde. Comme des pros. Voilà. Course of action. Très fatigant. Trois petits points. Continue. Quoi, c'est pas bon? Ah, le pire, c'est qu'ils sont exigeants, les cons. Putain, j'arriverai jamais à terminer ce tuto. Oh, j'ai de merde. J'ai noté des trucs. Je peux pas toucher à ça. Qu'est-ce que tu vas me faire chier? Putain. Ah, voilà. Si, c'est fait. En fait, je pouvais faire ce que je voulais. Je pouvais sauvegarder. Un God of Honor, machin. Open the menu with escape. Et retourne tout de même menu. Ce qui veut dire que on va se quitter là. C'était donc la découverte gameplay de Zandru de Vlure. Brent voir für Notruf. Non, 112 Emergency Call. C'est un truc du genre, non? Firefighting Simulator. Franchement, c'est plaisant.
si vous voulez quelques petits épisodes d'intervention pompier ambulance là-dessus, moi je suis partant. Sur ce, je vous dis à bientôt sur BBTV. Bisous bisous, bye bye. Guten Abend.